Et bonjour à toutes et à toutes, je suis Lucie, bienvenue pour la suite, enfin la suite et le début surtout de Neverwinter Nights 2 Mask of the Betrayers, le premier la première extension de ce grand jeu qui m'en aura fait baver pendant l'acte 3. Sachez que ceci est enregistré sur twitch.tv/rayus, ceci est un essai, je sais pas si ça marchera, et puis dans le meilleur des cas, bah ça va fonctionner et ce sera cool, et puis on continuera comme ça. Mask of the Betrayer, qu'est-ce que c'est? C'est la première extension, et comme j'ai la boîte juste à côté de moi, je vais pouvoir vous lire ce qui nous attend. Ça va être très très bien. Alors, un héros dominé par les dieux en quête de sa destinée, Mask of the Betrayer, 25 heures de jeu supplémentaire d'une épopée riche en action et en rebondissements aux côtés de personnages complexes. Progressez jusqu'à des niveaux épiques au-delà du niveau 20 et choisissez parmi 100 nouveaux sorts et dons inédits, de nouvelles fonctionnalités et améliorations de l'éditeur, et des monstres, armes, objets, classes, races et environnements inédits. Et en effet, lorsque j'ai installé du coup cette petite extension, ça a fait une mise à jour automatique, ce que le jeu de base n'a pas fait. Vous le voyez en bas à droite, en bas à gauche, je suis en version 1.10, alors que avant j'étais en version 1.0. Et ça change pas mal de choses, notamment au niveau du visuel, au niveau de l'inventaire, et au niveau de 2-3 autres choses. Bref, vous découvrirez tout ça, et moi aussi, dans cette nouvelle aventure, j'ai exporté mon personnage principal, qui est un voleur niveau 19, je le rappelle. Et on va se lancer dedans. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense qu'on va partir là-dessus. Nouvelle campagne. La campagne officielle, elle est terminée. On part sur Mask of the Betrayers. Les parents Rasemis inculquent l'obéissance à leurs enfants en leur contant l'histoire du Mange-Cœur, monstre sanguinaire capable de dévorer littéralement les âmes. Derrière cette légende se cache une réalité autrement plus tragique qu'un héros exilé de Port-Nuit va bientôt découvrir. Bizarrement, c'est moi. Une épopée Donjons et Dragons pour personnages niveau 18 à 30, connaissance de Neverwinter Nights 2 facultative. J'ai cette connaissance quand même. Convient pour un joueur ou 2 à 4 amis. Malheureusement, je crois que les serveurs ont un peu fermé. On va commencer, puis on y va. Alors, je vais choisir mon personnage. C'est bien celui-ci, niveau 19, avec tous ses stats. Je ne sais pas si mon inventaire a été gardé, je ne sais pas si mon or a été gardé. Ça va être la surprise. C'est parti. Vous souffrez. La douleur inonde tout votre être et vous transperce le cœur à l'endroit où se trouvait le fragment. Vous levez la tête avec difficulté et voyez une plaie sanguinolente juste au-dessus de votre cœur, recousue tant bien que mal par une main maladroite. Vos compagnons, le roi des ombres, vos souvenirs restent flous, hors de portée. Vous êtes seul. Plusieurs milliers de tonnes de terre vous séparent du monde de la surface. Quelque chose s'agite en vous. Une présence. Une présence affamée et emprisonnée. Vous ressentez sa colère et sa frustration. Ne bougez pas. Je suis là maintenant. Je m'appelle Safiya. Le sort d'entrave est en train de se dissiper. Vous pourrez bientôt marcher. L'heure n'est pas aux questions. Nous devons partir au plus vite, avant que les esprits ne se réveillent. Oui, et bien d'autres choses encore. Mais je ne suis pas une ennemie, pas la vôtre en tout cas. Ignorez les rumeurs qui courent sur les magiciens rouges. J'ai juré de vous aider, et rien ne me détournera de mon serment. Je ne comprends pas, vous vous réveillez ici, gravement blessé? Et vous ne gardez aucun souvenir de ce qui vous est arrivé. Vous ne vous souvenez de rien, n'est-ce pas? Je comprends votre confusion. Votre situation est pour le moins déconcertante. Oui, je les avais remarqués.
Les archives de l'Académie sont assez pauvres en ouvrages sur les runes Rachemi, mais cette rune-là, c'est la rune de l'homme qui danse. Elle représente un cercle de danseurs entourant un esprit maléfique. Cette rune faisait partie du sort d'entrave qui vous liait, mais j'en ai dissipé le pouvoir. Venez, nous nous sommes déjà trop attardés. Nous sommes dans un tertre profondément enfoui dans les terres de Rachemeni. La rumeur locale prétend que de puissants esprits y résident, hostiles à quiconque y pénètre, ou s'efforce d'en sortir. J'ignore comment vous êtes arrivé ici, mais je connais quelqu'un qui vous aidera. Je vous mènerai à elle, et nous aurons des réponses, je vous le promets. Mais d'abord, nous devons sortir d'ici. Pour le moment, seul compte le temps. Safia est une magicienne rouge dans l'art de la transmutation. Prenez le contrôle de Safia, appuyez sur B pour parcourir ses sorts mémorisés ou F pour ses sorts rapides. En outre, Safia dispose d'un alambic de façonneur d'une sacoche d'enchanteur, outils pouvant être utilisés pour enchanter armes et armures. Ah, ça c'est pas mal. Quant à vous, vous avez manifestement été frappé d'un mal étrange qui vous a considérablement affaibli. Une affliction sans doute liée au fragment d'argent qui est extrait de votre poitrine. Ah bah super. C'est la magie où le temps échoue à y remédier, vous devrez découvrir un autre moyen de neutraliser cette calamité. D'accord, très très bien. Et bah, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que le jeu avec ce petit patch 1.10 est un poil plus haut. Oula, par contre, la vitesse est bien plus rapide. Et vous le voyez, alors déjà, quand je passe mon curseur sur les personnages, vous voyez qu'il n'y a plus juste le personnage, juste son nom. Il y a aussi son état. Il y a son état, du coup, c'est comme dans le premier, où c'était marqué les différents stades, c'est indemne, légèrement blessé, blessé, gravement blessé, agonisant et mort, bien sûr. Au niveau de l'inventaire, c'est à peine perceptible, mais ça a changé, c'est beaucoup mieux. Ah, mais je suis à poil, j'ai gardé juste ce que j'ai d'équipé. Ah non, j'ai même plus mes armes, ah non, je suis à poil. Et j'ai ma cape de chevalier de Padiver, mais j'ai pas une meilleure cape normalement. Ah, je suis à Walp. Je suis turbo à Walp. Oui, alors je suis à 123 sur 114. Je pense que c'est un petit souci. D'accord. Je suis. D'accord, très bien. Je peux trier mon inventaire aussi. J'ai pas j'ai pas de cape du coup. Ah, bah si. Hop, j'avais ma cape. Et tant mieux. Alors du coup, Safina, voyons voir. Qu'as-tu comme sort? Je vais remplir la barre de sort, d'ailleurs, ça va être une excellente chose. Tac. Hop, le familier, ça doit être ça. On verra ce qu'il a aussi. Alors, qu'avons-nous? Sort niveau 1, très bien. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau... Ah oui, on est quand même sur une magicienne assez forte. Alors, sort mémorisé. Voyons voir, je vais essayer d'en mettre 3-4. Nuée de météore. Oui, ça je vais en mettre un. Alors, évidemment, les niveaux de sorts. Quand j'en utilise un, le nombre total de sorts que je peux utiliser de ce niveau baisse. C'est-à-dire que je peux utiliser une fois les sorts de niveau 9, je pense deux fois les sorts de niveau 8. Alors, une fois les sorts de niveau 8, ça doit augmenter au fur et à mesure des niveaux. Épée de Mordekaïn, pas mal. Je vais essayer de mettre un sort par niveau. Renvoi de sort, renvoi de domination, cône de froid, ça j'aime bien. Invisibilité suprême, fléau de projectile, tempête de grêle. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Rapidité, peau d'araignée. Arme magique suprême, oh pas mal. Lenteur, je vais mettre celle-là. Ok, ruse, splendeur, corne, ruse, splendeur, endurance. Une petite endurance et en niveau 1, projectile. Voilà, ça me paraît pas mal. Qu'est-ce qu'elle a comme objet? Ouh, ouh là là, elle a bien beaucoup d'objets là. Arc court composite, des flèches, une épée courte, ah bah tiens, hop, pour moi que j'ai au moins une arme, sacoche,
alambic, essence, sachant que j'ai jamais utilisé du craft dans mon jeu. Oui. Allez, on va t'équiper au moins d'une épée, comme ça tu seras pas à poil. Et... Oui. Oh la voix. Alors toi, qu'est-ce que tu es exactement? Wait. Ça fait un peu des créatures artificielles roublardes. Divinité, très bien. Oui. Et elle, on sait juste que c'est école de magie, magicienne et magicienne rouge. Ok, donc il y a une aspect magicienne. Très bien. Normalement, j'ai une carte. Elle est ici. On va regarder un peu tout ça. On va regarder un peu tout ça. J'explore. Et on va essayer d'avancer. Je suis très content de commencer cette petite extension. J'espère que ce sera plus simple que l'acte 3 de la campagne principale. J'entends quelque chose bouger dans une caverne du dessus. C'est peut-être Ipsit et Sifi. Non, je sais pas qui c'est. Ils sont partis à la recherche de Liena comme Merle l'a demandé. Impossible qu'ils soient revenus aussi vite. Il a une très développée, en effet. Le tertre est totalement silencieux pendant notre descente. Était silencieux pendant notre descente. Et oui, qui est ta mère? Nous en reparlerons plus tard s'il le faut. Tu m'as parlé de ta mère. Et au fait, il y a cette créature. Kaji, c'est un ami aussi rusé et loyal qu'il est charmant à sa façon. Oh, vous êtes attaché. Ah, alors les gains d'influence, vous voyez, c'est petite modification aussi de cette mise à jour, c'est que j'ai les avancées en direct sur mes quêtes et aussi les gains d'influence. Là, je viens de gagner beaucoup d'influence en quelques minutes sur Safia. Je suis content. J'ai modelé l'argile pour façonner son corps. C'est un golem en fait. Je lui ai donné vie à préparer. Sa diction est perfectible, mais non, n'est plus que touchant. Il n'y a pas de meilleur ami que celui que l'on crée à partir de l'origine. Vous devez quitter cette terre aussi froide que la pierre aussi vivante qu'agite. Ok. Moi, je vais quand même explorer un petit peu. J'ai encore quelques temps, mais je suis à poil, nom de Dieu. Ah! Ah, c'est la bagarre? Nous ne viendrons pas à bout de ces esprits avec de simples armes communes. J'ai apporté dans sa coche d'enchanteur une essence magique afin d'enchanter une arme avec. Oh! Attends. Oh la vache. Oh la vache. Oh nom de Dieu. Attends, ça veut dire que Safia. Venez par ici. Alors, il faut que. Attendez, je vais essayer de comprendre. Ouvrir. Comment j'enchante. Comment j'enchante une arme. Au secours. Écriture de parchemin, premier secours familier. Ah la vache. Ah ça va être génial. Ça va être le moment où je vais galérer. Oui. Donc du coup, je vais lui rendre ça. Oui. D'accord, on va y arriver, je vous jure, on va y arriver. Tac. Alors. Essence d'eau écarlate, alambic de façonneur. Utiliser. Combiner les essences. Non, c'est pas ça. Ah, genre, je vais réussir. Je vous jure, je vais réussir. Sur l'épée courte. Attention. Est-ce que j'ai compris? Ça va être le moment. Ah, propriété spéciale. J'espère vraiment que j'ai compris un truc parce que sinon. Oui. Sinon, je m'en sortirai pas. Oui. Et donc, du coup, son bâton aussi. Propriété spéciale, c'est ça. J'espère que j'ai bien compris et que je vais pas mourir au premier combat. Alors. Ils sont où les petits monstres? On va aller à gauche ou à droite. Ça c'est la sortie. Ça je suppose que c'est un endroit bonus si je peux récupérer mon équipement. Ah! Eh! Ça ne durera pas. Alors attends. Avant la bagarre. Trop tard. Ah oui, à peine blessé, on voit. C'est bien plus pratique que de se fier à la barre de vie ici. Il faut mourir, monsieur. Hein.
Eh ben voilà, c'est facile. Bon, essence de feu volatile. Ok, donc c'est sûr et certain, c'est désormais sûr et certain. Il y a du craft et oui. de l'enchantement à faire. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de savoir quel type d'enchantement mettre en fonction des ennemis. Les cendres sont froides et le camp semble avoir été déserté depuis un moment. Mais il y avait quelqu'un. Parchemin. Ah, les parchemins. Ah, je prends la dague. Cité du jugement. Oui, on va voir. Ok, ça je prends. Ah, la croisade du parjure. Qu'est-ce que j'apprends? La croisade du parjure. Vous avez découvert un ancien grimoire. Il fait maintenant partie. Il vous faut maintenant partir en quête des prêtres de Kelemvor, l'actuel dieu de la mort, afin d'obtenir un parchemin intitulé Lamentation des morts. D'accord. Il existe peut-être un lien quelconque entre cette croisade et votre présence dans ce tertre aux esprits. Donc j'ai ça, ça doit être une quête secondaire. Probablement. Très bien. Alors, cependant, j'ai une dague. Ah, j'ai pas assez. Est-ce qu'elle, elle a assez en savoir? Je pense que oui. Tiens, d'ailleurs, on va prendre ça. Oui. Elle a complètement assez en savoir. Dague plus 3, qu'est-ce que ça fait? Propriété spéciale plus 3 d'altération. Parfait. Tac. Et le parchemin, prémonition. Ce sort par me laissant entrevoir l'avenir. Oh! Intéressant. Suivez-moi! Oui, oui, hop. Bon, déjà, j'ai à peu près deux armes correctes. Alors que j'avais une arme toute pétée lors de mon combat final. Mais bon, on peut pas tout avoir. On va se mettre au repos. Ah, des ennemis sont proches. Des ennemis sont proches? Comment ça? Ah, ça doit être là, dans cette zone-là, à mon avis. Et je peux pas m'en éloigner. Ok, 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 très bien. Partons, on est par là. À mon avis, il doit y avoir un ennemi là-bas. Alors, j'ai juste... J'en profitais parce que j'ai un tout petit poil baissé. Les voix sont un peu forts. Et les effets aussi. Voilà. Ah bah oui. Allez, tiens, toi. Ah mais c'est ça qu'il fallait utiliser comme sort. Ok, donc là c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Ça va être extrêmement compliqué. Et du coup, là, je peux me soigner. C'est dans l'endroit sûr pour se reposer. Ah, ça, il n'y avait pas, par contre. Établissez votre campement et reposez-vous pendant 8 heures. Ah oui, donc on est vraiment sur des bases Donjons et Dragons, sûr et certain, avec un repos minimum de 8 heures de base. Attendre le crépuscule, vous ne recouvrez ni points de vie, ni sort utilisé. Bah non. Bah non, moi, je veux... Moi je voulais tous les points de vie en fait. Alors ça on va lui donner. Ça je vais le garder dans un coin. Alors du coup si je fais campement pendant 8 heures. Ah c'est... Oui c'est un peu dommage ça. C'est un peu dommage. J'aimais bien la petite barre de chargement qui disait au repos. J'en profite pour sauvegarder ma partie. Oh la vache, toutes ces sauvegardes. Et on va dire, on va mettre évidemment un titre au pif. J'ai toujours mon malus de constitution, au secours. Là, par contre, le but c'est de me suivre. Suivez-moi! Voilà, s'il te plaît. Voilà. Oh! Oh, il y avait un piège! Ah! Ah, c'est comme ça. Ok. Ainsi donc, vous voilà, magicienne. Nous avons senti votre intrusion. C'est elle qui nous a tirés de notre torpeur. Mais
Vous êtes venu ici seul. J'étais Nakata. Les souvenirs abondent dans ces lieux. Il est parfois difficile de savoir lesquels vous appartiennent. J'ai mené ma meute au combat sur les glaces du lac Tirulag. Et c'est là que je suis morte, abattue par une créature dévoreuse d'âmes, un monstre à visage humain. Dites-moi votre nom, mortel, ou nous vous ouvrirons la gorge de nos crocs. Si vous mourrez dans ces cavernes, vous ne trouverez jamais le chemin du royaume des morts. Quelque chose était enfermé dans la caverne aux runes. Un poison en plein cœur de nos rêves, un tourbillon dévorant nos souvenirs et nos noms. Rien de ce qui sort de cette caverne ne peut être autorisé à partir. Tels furent les derniers mots de notre dieu avant qu'il ne sombre dans le sommeil. Vos promesses n'ont aucune valeur à mes yeux. Tant que je serai la gardienne de ces lieux, rien ne sortira vivant de la caverne aux runes. Ah ! Quelle est cette odeur ? Du sang. Une blessure qui aurait dû être mortelle, et pourtant... Non, il s'agit d'autre chose. Une chose plus vile encore. Où ai-je déjà senti... La présence fait un bond dans votre poitrine, et pendant un instant qui semble durer une éternité, vous ne parvenez plus à respirer. Puis vous entendez un grognement sauvage, un grognement de bête féroce et affamée depuis plusieurs siècles. Le grognement se transforme en cri, puis vos sens vous abandonnent. Coupé du monde, vous sentez votre peau se déchirer et une faim dévorante s'emparer de tout votre être. Ce n'était pas un sort, ni même une invocation divine. Comment avez-vous fait ? Et vos blessures ? Elles sont guéries. J'ignore comment, mais vous avez anéanti cet esprit. Quoi qu'il en soit, nous devons nous mettre en route et sortir d'ici. Qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que je viens de faire ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Comment ? Quoi ? Au secours ? What ? Une femme macabre, alors oui, c'est une nouvelle quête qui s'est ajoutée. En émergeant de la chambre où vous avez repris conscience, vous avez senti une présence étrange. Peu après, la présence s'est brusquement manifestée, a dévoré un esprit loup, et ça a guéri vos blessures. Je n'ai plus mon malus. Comment c'est possible? Vous soupçonnez que cette présence est toujours en vous et frappera à nouveau. Si vous découvriez la raison de votre présence en Rachemini, et l'identité de la personne qui vous a arraché le fragment de guide, vous pourrez également apprendre le secret entourant cette mystérieuse présence. Et eh ben j'espère bien mon copain, parce que si je peux tuer littéralement des loups juste en m'énervant un peu, ça va être rapide. Alors j'ai plusieurs chemins qui s'ouvrent à moi. J'ai un chemin au nord-est dans cette grande zone, et j'ai au nord-ouest plein de petites zones là. Là, je pense que dans cette zone-là, là, il doit y avoir un combat un peu plus important ici. Là, il doit y avoir un combat et des objets, et par là, des ennemis. Je vais tenter de partir à gauche pour le moment. On verra bien ce qui se passe. Mais du coup, vu que j'ai plus de malus, je dois avoir retrouvé mes stats de base. Ah, bon, déjà un gardien. Deux gardiens même. Non mais j'aimerais bien qu'elle lance ses sorts en fait, parce que sinon je vais crever. De... Oh, il y en a un troisième, c'est une blague. Ah c'est... Et il y a un mort. Allez, maintenant faut le tuer. Meurt. Parfait. Impeccable. Par contre, c'est extrêmement juste. Essence de terre. Essence de feu. À mon avis, il faudrait que je teste. Il n'y en avait pas un troisième ?
Il n'y en avait pas un troisième. Il faudrait que je teste un truc au niveau des essences. Donc du coup, il va falloir que je splinde d'essai avec, avec Saphia. Je vais essayer d'enchanter plein de trucs. Alambic de façonneur utilisé. On va combiner les essences. Une essence, par exemple, de d'esprit. Parce que c'est... Essence insuffisante pour les combiner. Ah. Est-ce que là j'ai plein de... j'en ai plein de feu. Est-ce que ça fonctionne? Pas l'air de marcher. Bon, sacoche d'enchanteur. Ah, c'est peut-être là où je peux mettre mes essences. Ça. Ah, ça pourrait être plus pratique, ouais. Va falloir que je m'en renseigne un peu pour ça. Convertir lequel vous savez enchanter les objets. Les essences sont automatiquement distillées sur des cadavres, d'accord. Elle convient d'en combiner 10. Ah, dans l'alambic pour obtenir une essence écarlate. Oh oh. Pour enchanter un objet, il suffit de le placer dans un sacoche d'enchanteur avec une ou plusieurs essences écarlates puis de lancer le sort indiqué. Ah. À l'aide d'un alambic de façonneur, on peut combiner des essences. Oh. Très bien, très bien. Donc admettons que je fasse par exemple hop, je mets cette essence, cette sacoche d'enchanteur, je mets un essence des prix écarlate, oui. Et que je mette par exemple cette épée dedans, oui. Voilà, hop, j'ouvre mon sac, ouvrir, et que je mette l'épée, voilà, et là je vais juste faire combiner dans mon sac. Échec, cette recette n'existe pas. Ah. Donc il va falloir que je me renseigne. Il va falloir que je me renseigne. J'ai dû, je pense, oublier quelque chose. Dans mes sorts rapides, là, j'ai pas un truc. Illumination, ébattement, fatigue, aspersion, ça doit être dans quelque chose d'autre. Ah, magicienne rouge. Ah, j'ai pas accès au sort de magicienne rouge. Oh. Non. Ok. Mais il y a de l'enchantement, il y a de l'enchantement, ça c'est sûr et certain, il faut juste que je me renseigne un peu. Ou alors c'est uniquement avec des essences parfaites. Ça veut dire qu'il y a un côté farm, et ça me plaît moyennement. Je vais partir sur cette hypothèse. Et je vais éviter de mourir aussi. Non, je vais aller au sud, d'abord au sud. Oui. Faudrait que tu... Ah oui, par contre, elle a quasiment pas de sort. Oula. Oh, je l'ai vu. Oh, comment je l'ai vu, lui. Oh, désormais, ça me fait gagner de l'XP. On va inspecter, par contre. La détection, on a eu d'ailleurs plein de pièges par là. C'est juste un mur sans rien. Ça se trouve, il n'y a que dalle. Ah, y a. Oh. Vers les forges. Ouh, vers les forges. Oh. Attends. C'est intéressant si je peux aller dans une forge. Ces ruines sont manifestement d'origine Imaskari. Cette colline était jadis une cité. D'accord. Très bien. Je te crois. Là, il y a une porte. Et là, il y a une porte. Il n'y a pas de piège ? Il n'y a pas de piège. Ah. Dague animée. Ah, par contre, ça, c'est problématique. Ah bah c'est bien ça, Saphia. Oh, il y en a deux.
Oh, il y en a deux. Ok, alors. Attends. Ah bah, parfait. Ça ne durera pas. Hey, lui. Le but, c'est pas... Oh, la porte, elle est fermée. Reviens. C'est vraiment compliqué. Mais c'est juste compliqué. Parce que j'ai pas ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des forges qui n'ont pas l'air de fonctionner. Oh, des râteliers. Oui. Des râteliers et des... Oh, une boîte fermée. J'ai bien fait d'aller ici. J'ai vraiment bien fait d'aller ici si je peux trouver du stuff un peu plus intéressant. Épée longue. Râtelier d'armes. Cuirasse. Ça, je prends. Des carreaux, des flèches, des carreaux, des frontes, des carreaux. Épée longue. Ah, je peux pas m'en équiper. Parce que... Dextérité... Ah, c'est bête. Je n'ai pas la compétence qu'il faut. Ah, il me faut l'armure intermédiaire. Tant pis. Il y a quoi dans cette épée? Je vais tout lui donner à elle. Oui. Alors, l'épée. Ah, épée longue plus 3. Normalement, je peux me mettre, je peux l'équiper. Et là, dans le sac. Il y a plein d'essences différentes. Au secours. Ah, mais non, mais... Le but, c'est de... Ah, la vache, d'accord. Trier. Feu volatile. Mais feu volatile? Ah, c'est 5 max. Ah bah non. Voilà. Ça, alors ça trie automatiquement, certes, mais... C'est pas incroyable d'incroyable non plus. Ok, on va laisser comme ça pour le moment. Le coffre que j'ai vu là-bas. Alors non, pas toi. Suivez-moi. Pas toi. Essaye pas de l'ouvrir. C'est pas de l'ouvrir. Mais non, mais... Suivez-moi. Moi. Crochetage réussi, y a pas de piège. Lingot et poudre. Et je peux pas utiliser ça, bien sûr. Ça aurait été trop beau. Je dois sauvegarder à chaque porte, au secours. Qu'est-ce qu'on a? On a un sol piégé, bien sûr. Ah, atelier de forgeron. Voilà qui est intéressant. J'ai décroché un piège. Tant pis. Statue. Sceptre Imascari. Ouh. Sceptre de l'Empire Imascari joue un rôle essentiel dans la bataille. Ok, je vais lui donner un L. Oui. Elle peut s'en équiper, je suppose. Ah mais attends, elle peut s'équiper de... Ah mais non, ça prend deux trucs. Bon, ça servira quand on peut. Alors, atelier de forgeron. Pavois, ceinture et rapière. Vous devez me confondre avec un cheval de trait. Si, c'est un peu drôle. Alors, je lui ai donné tout l'équipement. Ceinturon de force de géant de givre. Ah bah, ça donne quoi ça? Plus 4 de force, bah c'est pour moi. Oui. C'est, j'ai quoi, ma ceinture? J'ai une ceinture toute claquée au sol. Hop, on change. Elle, elle prendra ça. Ruine élémentaire. Oh. Oh, ah oui, en plus c'est en adamantium, donc ça a une propriété. Et ça, je peux en équiper, c'est parfait. Je vais le mettre à la place de mon épée. Ce
C'est déjà un équipement un peu mieux. Et protecteur, ça c'est juste un bouclier, n'est-ce pas? Oui, c'est un bouclier. Venez par ici. Toi, tu vas mettre la petite ceinture. Voilà. Et normalement, c'est tout bon. Bon. Suivez-moi. On est déjà un tout petit peu mieux. Mais j'ai pas... Non, je ne peux pas forger. Bon, au moins, il y a un peu de stuff. C'est déjà pas mal. Il y a quoi derrière cette porte-là? Ça va me faire peur. Ça va me faire très peur. J'ai très très peur de ce que j'ai trouvé. Il y a un golem. Il y a deux golems. Il y a trois golems. Il y a quatre golems. J'ai envie de crever. Je l'attends quand même. Attends. Ah, je peux leur parler. Attends. Je peux leur parler. Oh, atelier d'alchimiste, parfait. Golem. Un golem Imaskari de la dynastie Queen Kyun, je pense. C'est incroyable, il s'agit sans doute de l'un des derniers golems. Est-elle similaire, créature de forme? C'est le même principe, un golem n'est qu'importation en vie, ni par magie, ce spécimen. Il est possible de le ramener à la conscience à condition de connaître les techniques consacrées. Dites-moi en plus, le danger est la clé. S'il perçoit une menace tangible, un esprit peut être tiré de son sommeil. Comment être sûr qu'il ne nous attaquera pas? Ils ont la mémoire courte. Après 2000 ans d'inactivité, n'importe quel esprit aurait oublié les ordres qu'il avait reçus. Et qui me dit qu'il ne m'attaquera pas après tout? C'est vous qui le contrôlez. Non, je vais pas faire ça. Faites-le alors. Gain d'influence, plus 6. Putain, j'ai 12 d'influence. Je suis trop un influenceur. Alors, ces gens renferment des esprits d'air élémentaire en disposant ici et là. La réaction devrait le réveiller. Il est réveillé. Bon. Sachez que les forces qui animent ce golem sont indissociables de ce tertre. Lorsque nous rejoindrons la surface, l'esprit sera libéré et le golem retournera à son inertie. D'accord. Le golem est loin d'être aussi fort qu'il devrait l'être. L'esprit qui l'anime est sûrement affaibli. Il nous faudrait un onguent de jouvence pour lui redonner des forces. Au puis-je retrouver ? En utilisant notre poudre infernale, oula, et les ingrédients qui se trouvent sur la table d'alchimie, nous devrions pouvoir concocter un long de jouvence. Si vous n'êtes pas versé en alchimie, il vaudrait mieux me laisser concocter la préparation des moindres erreurs pour nous être fatale. Il y a de l'alchimie, c'est encore un truc que j'ai jamais fait. Là, tiens, tu prends la poudre. Alors. Oui. Atelier d'alchimie. Créer un long de jouvence. Vous avez créé un onguent de jouvence, il devrait ramener votre golem Imaskari. Très bien, golem Imaskari. Oui. Alors, objet, onguent de jouvence, bombe de jouvence. Examiner comment je l'utilise. Hop. Et je sais pas comment on l'utilise. Discuter, pour utiliser discuter avec votre compagnon. Ah, donc parler. Le golem vous fixe dans un regard sans vie, semble incapable de parler appliqué longuement. Ah oui, force accrue. Ah ouais. Venez par ici. Pas mal du tout. Et donc ça me sert plus à rien. Vous êtes à court d'ingrédients alchimiques. Ok. Voyons voir. Et il y a trois autres golems, je suppose que j'ai pas ce qu'il faut pour les réanimer. Oui. Bien qu'entièrement assemblé, le golem est totalement inerte. Et avec Safiane. Oui. Ouais. Bien. Bon, au moins j'ai un mec avec moi. Est-ce que il a un inventaire? Il peut porter 600, c'est un sac ambulant. Oui. C'est littéralement un sac ambulant. Donc il va porter tout ce qui est lourd. Oui. Est-ce que je peux... Ah, attends, je peux l'équiper avec des armes. Si je peux lui mettre quelques petits trucs. Et vu qu'on est trois désormais, ça pourrait être pas mal. Il peut... Non, il peut rien prendre. Parce que c'est un golem... de type créature artificielle et qu'il a pas de dons, pas de compétences. Visons dans le noir. Bon, au moins ça.
Maniement des armes. Ouais. Compétences. Ouais, bah des compétences. Ah, détection, oui. Et le comportement, bref. Très très bien. J'espère que je vais pas le tuer au prochain combat. Ça m'ennuierait un peu. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir fait ce petit détour. Est-ce que Safiana elle en est au niveau de ses sorts? Ouais. Oui. On va aller au nord là. Ah, coffre en bois ancien. J'avais pas vu ça. Lance. Laisse-moi deviner, lance, je peux pas savoir ce que c'est. Faut que je passe par elle. Harpon de givre, elle peut pas l'équiper, je peux pas l'équiper. Est-ce que lui peut l'équiper? Oui. Il n'a pas reçu l'objet. Il a. Non mais le but c'est que tu prennes l'objet. Il veut pas prendre l'objet? Pourquoi? Il veut pas prendre l'objet. Oui. Non, on va faire autrement. On va faire autrement. Parce que. Voilà. Hop, hop, hop. Ah, mais il peut pas s'en équiper. Oui. Tant pis. Alors, le nord. Je suppose que par là doit y avoir une autre sortie. On va aller de ce côté-là. Un squelette d'ours. Pas l'air d'avoir d'ennemis. Peut-être qu'il y a un piège. Peut-être qu'il y a un piège. Annotation ajoutée. Ah. Annotation ajoutée. Alors où est-ce que je peux voir ça? Ah, apaiser les esprits. Ce tunnel est scellé alors qu'il était ouvert à mon arrivée. La terre elle-même semble s'opposer à notre fuite. Et ils ont bloqué le tunnel. Il en émane une sorte de magie résiduelle, un ou plusieurs esprits puissants ont modé la terre pour obstruer le passage. Combien de temps les esprits peuvent-ils tenir? Tant qu'ils voudront, cette terre est envahie d'esprits, contrairement à nous, ils ne connaissent pas la fatigue. Que proposez-vous? Les Rachimi brûlent des offrandes pour apaiser le courroux des esprits. Les offrandes en question ont pour but d'attirer des animaux, le plus souvent il s'agit de nourriture ou de breloques convoitées par les pillards. Essayons de trouver quelque chose qui pourrait nous aider à sortir d'ici. Alors, voyons voir. Cet ancien squelette d'ours semble très fragile. Un sort ou une arme pourrait facilement le réduire en poussière, mais gare aux conséquences. Oh. Donc, je dois faire une offrande pour m'en sortir. Non, mais c'est bien, on apprend plein de choses. Un esprit furieux vous a scellé, vous empêchant plusieurs. Alors, détruire le squelette d'ours et son pouvoir, d'accord, puiser l'esprit pour qu'il vous laisse libre passage, ou trouver un moyen de dissiper la magie de l'esprit. D'accord, donc soit la bagarre, soit donner un objet, soit activer un truc. Très bien, très bien, très bien. De ce côté-ci, oh, nous avons un gardien de tertre. Alors, est-ce que mon ami... Ah, le golem. Mon ami le golem. Il y en a un autre derrière, je l'ai vu. Ah, il se bagarre. Allez. Ah oui, il se bagarre. Il met une tarte. Oh, il a mis une tartine. Il a activé un piège. Non. Je veux pas que tu meurs. T'es très utile. Oh la vache, les tartines qu'il met. Est-ce qu'il regagne de la vie tout seul ou faut que je me soigne quand même? Ok, on a une autre porte et celle-ci vers bibliothèque. Ah, et là il y avait le passage scellé. Bon, pas important. On va faire un petit repos pour le moment. D'accord, le repos, ça remet toute sa vie. Parfait. Très bien, très bien, très bien. Ah, j'aime bien, ça avance un petit peu mieux. Je vais lui donner ses cailloux d'ailleurs. Tac. Eh, hey, j'en ai bientôt dit, je pourrais faire une essence. Je pourrais bientôt changer d'essence. Oui.
Alors. Ok, la bibliothèque. Mode fouille, alors ça je l'enlève. Ce sont encore des ruines Imaskari, sans doute dévoilées au grand jour par accident, comme les autres. Très bien, eh bien je te crois. On a une statue, on a une porte et une porte. Elle est là. Ah. Ok, ok. Très bien. Des archives. Parchemin. Je prends. Et là, il n'y a rien du tout. Par ici. Qu'est-ce que j'ai comme parchemin ? Extraction d'élémentaire d'eau. Quoi ? Ce sort brutal engendre une terrible déshydratation chez la créature. Toute l'humidité de son corps s'échappe par ses yeux, ses narines, sa bouche et ses pores. Ah, c'est dégueulasse ! Si le sort tue la créature touchée, l'eau extraite du corps se transforme en élémentaire de l'eau de la taille de la créature. Oh, ok. C'est un tout petit peu dégueulasse, un tout petit peu vénère. Mais, intéressant. Ah, armure animée. Je vais attendre qu'elle arrive et je l'attaque. Hop là. Oh, elle me met tellement mal. Attends, faut que je recule. Oh, 126 de dégâts, mais what? Oh, voilà. Ah, il y en a deux. Suivez-moi. Attends. Mon golem. Oula, le golem qui slide, bien sûr. Et je vais dead. Au secours. Je vais dead parce qu'ils m'ont pas suivi. Bon, c'est pas grave. Mon personnage est mort, mais c'est normal, hein, donc ne vous inquiétez pas. Vas-y, golem. Venge-moi. Vas-y, mais il y a des grosses beignes. Voilà. Il y en a encore un ou... Ah oui, par contre, oula, il y en avait encore. Il y en avait encore deux? Mais non. Ah, il y a un bouclier, une épée. Ok. Ah mais elle a détruit une porte. Ah, je peux pas y aller, vraiment. Bon bah l'épée se bat et puis elle se débrouille toute seule. Hein. Bon bah mort. Y en a encore un ou c'est bon? Et bah c'était... C'était incroyable. Le mot est juste incroyable. Oui. Bon, on va fouiller tout le monde, on récupère les essences. Bibliothèque. J'espère qu'il n'y a pas de piège dans la bibliothèque, ce serait ballot. Parchemin. Essence. Oh, beaucoup d'essence. Et là, on est dans une autre bibliothèque. Parchemin. Ok. Alors, tous ces parchemins, bah, ça va être pour elle. Hein. Elle va se débrouiller toute seule.
Ah, j'ai 10 essences, attends. Là, j'en ai 10. Donc, ça veut dire que je peux faire... Où est mon sac ? Sac, ouvrir. Je mets les 10 essences et je vais... Avec... cet alambic... combiner les essences... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, il faut peut-être une arme. Ah, c'est peut-être ça. Oui. Attends. Hop. Passe. Non, la dague plutôt. Oui. Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris. C'est peut-être ça aussi. On va rire. Hop. Putain, j'arrive jamais à savoir où il est. Utilisation combinée et échec. Bah non. Ok, il y a un truc que j'ai pas. Je vais aller m'en renseigner parce que j'ai un doute. J'ai un doute sur comment ça se passe avec ce personnage. Je vais aller chercher ça. Bon bah j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé. Donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça, que je comprenne tout ça rapidement. Suivez-moi. Pour le moment, on va continuer vu que c'est pas important et que j'arrive à peu près à m'en sortir, mais faut que je prenne le temps de chercher et de comprendre comment on fait. On va sortir de cette zone et puis on va continuer d'explorer. Je pense qu'on va explorer au moins toute cette grande zone et les petites salles, et puis ce sera pas mal pour une première session. Mais en tout cas, ça me plaît. Il y a un petit peu de difficulté, mais pas tant que ça. Du coup, toute cette zone a été... quoique, est-ce que... Je vais quand même aller par là avant de revenir ici. Puis je tenterai dans un premier temps de casser... casser le squelette d'ours. Ah, oula. Il est revenu, lui. Ou alors, il vient d'où ? Bon, déjà il est mort, ça c'est réglé. Alors par contre, toi, au niveau du comportement, suivre proche, piège, non, garde du corps activé, protégera le chef de groupe, bien sûr, mode furtif. Oui. Non, c'est mesuré. Oui, désactiver, utilisation d'objets, utilisation des aptitudes, ouais, oui. Ok, c'est tout. C'était juste pour vérifier ça. Alors, là, il y a plein de petites salles, plein de petits endroits. Donc, on va un peu explorer. Oula, ça commence. Des loups. Tel Thor, plutôt. Ok, bon ça se passe bien. Essence d'air, essence de terre, et il y en avait un deuxième là. Essence d'air, voilà. Ok, ça se passe. Ça se passe bien, on va aller de ce côté. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un coffre. Ah, oula ! Oula ! Oula ! Ours ! Ah, c'est un esprit d'ours, ok. Ah oui, donc on est sur des petites apparitions quand même pas très agréables. Ah, par contre, masse d'XP, ça j'aime beaucoup. Mais bon, où j'en suis là, dans mes infos ? Ah, je vais pas EP tout de suite. Ancien coffre d'offrande.
Ça pourrait être intéressant. Oui. Ça pourrait être intéressant. Elle a pas assez. Ah non. Elle a pas assez de savoir. Zut. Bon. Oui. Tiens, prends les essences. Prends toutes les essences. Donc il faudrait que je fasse une offrande par là. Il faudrait que je sache comment faire. De ce côté, qu'est-ce qu'on a? Ah, attention, oui. Ouh! Il s'est pris 63 de dégâts. Comment? Comment il a fait? Attends, c'est vénère de se prendre 63. Ah, par contre... Ah, attends, je suis dans quel... Ah, je suis pétrifié. Really? I am really pétrifié de là? Ah, ok, je suis pétrifié. Je suis pétrifié, on va attendre. Hein. Bon bah celle qui va récupérer les essences. Tant mieux. Où est-ce que était l'autre? Ah, je ne suis plus pétrifié. Il a pris très très cher ce le golem. De ce côté-là, nous avons aussi des offrandes. On va se soigner parce que le golem a pris un petit peu cher. 8 heures ont passé. Oh, je sais que je prends le temps. Ici. Ah, là, il n'y a pas d'offrande. Il n'y a rien du tout. Par contre, de ce côté, je sens que je m'y connais assez bien en architecture. Je pense que quelque chose va m'arriver sur le coin de la figure. Ah ah ! Je m'en doutais. Qu'est-ce que ? Sachez que vous n'êtes pas les bienvenus en ce lieu. Je m'en doutais. C'est un esprit de la glace, une créature aussi sauvage et taciturne qu'une tempête de neige. Quiconque sème le trouble en ce lieu sera détruit. Mille excuses. Où sommes-nous? Regardez ces bijoux dans l'eau. Des perles, des babioles, des os sculptés. Ce sont des offrandes faites par les racémies aux esprits de la rivière portés ici par le courant. Leur glace doit protéger les offrandes sacrées des racémies. Tel est son châtiment. Leur glace est lié à ce lieu pour 100 ans. Il sera libre dans 57 ans, à moins qu'il ne soit détruit avant cela, ou encore s'il trouve un nouveau maître. Un nouveau maître? Leur glace sera lié à son maître et le suivra pour la durée de sa peine. La servitude est préférable à la solitude. Si je comprends, il suffira de vous donner l'ordre de me suivre et vous m'obéirez. Et qui vous a puni? Oku, seigneur du tertre, leur glace a réveillé Oku par mégarde et Oku était de mauvaise humeur. Que savez-vous d'Oku? C'est un grand esprit, ours, grande puissance, grande colère, si je comprends. Alors du coup, vous ne pouvez pas lui faire confiance, des esprits, les dieux cherchent toujours à vous manipuler. Ordonnez à leur glace de vous servir et il vous servira. Si ça peut m'éviter un combat, ce serait pas mal. Je pense que ce serait une des meilleures choses à faire. Après, leur glace a réveillé quelqu'un, donc quelque part c'est sa faute, mais il peut m'aider en combat. Que savez-vous d'autre sur ces créatures? Ils ont une émanation de la nature. Ils sont une émanation de la nature sauvage, capricieuse, stable et guère enclin à la cordialité. Les racémies eux-mêmes ne leur font pas confiance. Vous avez raison. Est-ce que je la tente? Allez, je la tente. Bagarre. Ah, il a pas l'air d'être si. Misérable ver. Ah. Je repousse mes attaques. Attends, mais je l'attaque pas, je vais attaquer de l'autre côté. Voilà. Attaque sournoise, voilà. À peine blessé. Ouais, ça va être compliqué. Oh, ok. Ça a l'air de bien se passer. Ouh, 24.
agonisant. Ah, allez, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Impeccable. Bravo. 205. Et il est fini. Essence d'eau volatile. Et donc, cela m'a servi à juste tuer. Et c'est tout ce que ça fait. Et c'est tout ce que ça a fait. Il n'y a rien d'autre. Alors, il est joli. Oh, les jolis filets d'eau qui coulent. Oh là là. C'est quand même bien fait. Tas d'offrandes. Saphir étoilé. Intéressant. Et un anneau. Le saphir étoilé, c'est pour du craft. Oh, ça pourrait être une très belle offrande, ça. Tiens, tu prends ça. Tu peux me dire à quoi il sert cet anneau, s'il te plaît? Oui. Anneau des chutes gelées. Oh, il y a de ça bien longtemps, un jeune Rachémi campé aux abords des chutes d'Erek, une gigantesque cascade nord-ouest de la Rachéménie. Les jeunes gens qui entreprenaient leur dage... Oula. Leur dagema. Voyez, c'est illustrant le passage à la maturité, avec coutume de séjourner au moins une nuit dans cette cascade, près de cette cascade. Le jeune homme désirait de suivre cette tradition, avait fait son offrande aux autres pour son sommeil, des guerriers d'une tribu voisine de barbares, où s'approchèrent de lui, avide de meurtre. C'est alors que l'esprit investi du corps du jeune homme se défendit avec une force et une férocité peu commune. Oh, propriété spéciale, froid, immunité à 25%, hypothermie et rayon polaire. Oh. Intéressant, intéressant. Je vais le prendre pour moi. Oui. Et le changer à la place de cet anneau de liberté de mouvement qui m'octroie déjà. Liberté de mouvement. Très bien. Attends. Liberté de mouvement, le nœud. D'accord. Je vais garder. Je vais juste mettre ça à la place. Très bien. Eh bien, j'ai ce qu'il faut. Je vais explorer toute la carte de fond en comble. À part ce petit endroit là que j'ai peut-être raté. Ah non, c'était. Non, si, c'était juste un champignon dans un coin. Et ben, je vais revenir ici et puis je vais faire une offrande. Ah, le bol d'offrande. Très bien. Alors, avant qu'il se passe quelque chose d'horrible, repos, sauvegarde, et puis je vais faire une offrande. Voyons voir. Le bol est vide. Utiliser. D'accord, donc je vais mettre ce saphir étoilé dans le bol d'eau. Qu'est-ce que je dois faire? Examiner. Alors, je vais pas le forcer, mais j'aimerais l'utiliser. Et je peux rien faire. Je peux rien faire, mais vraiment? Mais non, mais moi je veux donner un truc. Oui. Est-ce que Safiana peut faire quelque chose? Non. Est-ce que le golem peut faire quelque chose? Ça m'étonnerait. Est-ce que oui. Lui, il peut faire un truc? Ah, il peut juste regarder. Il peut juste examiner, d'accord. Je peux pas être touché, il peut rien faire. Oui. Et moi, je ne peux pas ouvrir cette porte. Si je peux l'ouvrir, c'est quand même qu'il y a un souci.
Un mur, mais ouais, ça me semble relativement récent. Très bien. Le sceptre Imaski vibre de colère à l'approche du mur, comme si sa simple existence lui faisait offense. Déterminer l'origine du mur. Ah. La terre est humide, mais incroyablement solide, comme si un esprit ou une entité puissante en assurait la cohésion générale. Frapper le mur avec le sceptre. Let's go. Oh! Le mur s'effondre. Un instant plus tard, le sceptre Imaski est secoué des vibrations, puis vole en éclats. Oh! Monsieur? Le sceptre s'est brisé par votre faute, n'est-ce pas? Mais qui êtes-vous? Je suis Marik, grand artificier d'Inupras, loué serviteur de l'empereur écarlate, et vous êtes une fripouille! Dis donc! Comment êtes-vous rentré en possession du sceptre? Comment avez-vous pu déjouer la protection de ma tour? Nous ne sommes pas à Inupra, j'ai trouvé ce sceptre. Des ruines, un théâtre, j'en ai assez d'écouter vos Ah d'accord. Je dois retourner à ma tour et achever mon labeur. Comment pouvez-vous être sûr que la tour est encore intacte? Comment pourrait-il y avoir d'autres autrement? C'est moi qui l'ai construite. Ah d'accord. Et t'es... Ok. Bon bah j'ai bien fait d'avoir récupéré... Bon bah je... Eh bah l'option du sceptre. Bah d'accord. Eh bah très bien. Eh bah très bien. Oh là là, oh là là. Je le savais qu'il allait y avoir des petits trucs. Je peux le faire. Non. Ok, bon, il y avait juste un tout petit truc. Évidemment, elle va récupérer les cailloux. Enfin, les essences plutôt. Oui. Bien, 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 bien. Et bah, tout cela s'est bien passé. Et bah, on va changer. Tertre supérieur. Ouch. Ah, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Ok, on est sur quelque chose d'un petit peu plus grand. Très très bien. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour cette petite session. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis content de commencer une nouvelle extension. Et même s'il y a une petite difficulté, eh ben c'est pas trop mal. Moi j'aime beaucoup. En tout cas... Merci d'avoir suivi cette petite session découverte pour le début de Mask of the Betrayer. J'espère que ça va vous plaire. Je vais avancer tout doucement. Si jamais c'est la bonne version que vous voyez, la version Twitch, sachez que vous pouvez du coup suivre tout ça sur twitch.tv/Raius. Quand j'en fais. Et du coup, vous pouvez être là aux premières loges. Tous les réseaux vont s'afficher maintenant. Merci à tous. Bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2.